Yo à tous, c'est Rouen406, on se retrouve enfin pour une nouvelle aventure sur Minecraft. Ça me fait marrer parce qu'en fait, il y a la musique de Minecraft alors que je viens tout juste de la couper avant de lancer l'enregistrement. Voilà la musique rebelle. Et donc, ça va être un peu la série qui va succéder aux aventures de Rouen parce que, comment dire, ça me plaisait pas trop déjà le concept de base. Bah, mourir la première nuit, bah c'est un peu relou pour pas vous mentir. Du coup bah j'ai décidé de lancer une nouvelle série modée cette fois. Et la première chose que vous pouvez remarquer, tous les connaisseurs des Minecraft 1.7.10, c'est la version, ne sauront qu'il n'y a pas ça, un journal. Donc alors, je vais vous décrire les modes et je vais vous dire ce qu'il y a. Alors ça, voilà, alors faites pas attention au RDM, c'est le pseudo que je me suis donné. J'avais pas pensé à Rouen406 à l'époque. Tout simplement, ce journal vient du mode The World Explored, qui est un mode qui veut rajouter un peu des items à Zelda, genre des arcs, des boomerangs, des lance-pierres, des sarbacanes. Non, y a pas de sarbacane dans Zelda, cherchez ça. Du coup, je me suis donné un coffre. Oula, regarde pas ça. Je me suis donné un coffre pour que ce soit un peu plus facile. Et on commence avec pas grand chose, donc. J'étais habitué à avoir des coffres avec des haches, moi, monsieur. Enfin, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Donc, on est apparu dans un biome de sapeng. C'est tout à fait logique. Mais on commence avec une pioche en pierre, c'est plutôt sympathique. Voilà, ça c'est un autre livret. J'ai aussi noté 9 items qui me permettent d'afficher les noms des blocs, ça va être plus facile. On a le copper ore, je sais plus de quel mode ça vient. Je peux vous dire les modes qu'il y a d'installer. Je peux vous dire les modes qu'il y a d'installer. Attendez 2 minutes. Voilà. Voilà, alors. Voilà, je vais reprendre la partie et vous faire une petite lecture des modes. Ah bah je suis obligé de mettre en pause, c'est un peu relou. Donc on a le mode Mine and Blade Battle Gear 2. Donc voilà, c'est en fait ce qui va rajouter les petites caisses qui sont en bas, à droite et à gauche. Et c'est en fait, je vais appuyer sur la touche que j'ai programmée pour dégainer mes trucs. Voilà, ça me permet d'équiper deux objets et de les utiliser en même temps. Genre par exemple, j'ai une épée, un bouclier, je peux ah d'accord, je tape d'accord, je spam avec mon clic, mon autre clic. Et donc en fait, par exemple, si j'ai un bouclier dans qui est attribué le clic droit, bah ça va tout simplement me mettre en position de défense, logique. Et si j'ai une épée dans la main gauche, bah je pourrais attaquer. C'est un peu logique. Hop. Et ce mode rajoute aussi quelques armes, hein, genre vous avez une armure qui est surpuissante. On a quoi d'autre? On a le mode Anti-Catlas, qui est un mode qui va rajouter un atlas. Merci Captain Obvious. Et ça en fait, ça va, dès que vous l'aurez créé, ça va ensuite suivre tout votre parcours que vous aurez fait. Même si vous l'équipez pas comme une carte, hein, ça marche. Ça va enregistrer tout ce que vous avez fait. Et ce qui est cool, c'est que si vous le combinez avec certains modes comme Zelda Sword Skill, mode qu'il n'y a pas dans cette série parce que personnellement je trouvais ça un peu relou de mettre. Si vous rajoutez le mode Zelda Sword Skill, c'est un exemple, ça va afficher les donjons. Genre si vous avez un donjon abyssal, ça va être affiché sur un biome océan comme il représente. D'ailleurs la représentation des biomes est super bien faite, je vous montrerai. On a aussi le mode Borders. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser, donc ça fait longtemps que j'ai pas utilisé certains modes, donc je sais pas quoi faire. Bonjour les chiens. Non, c'est des loups, c'est pas des chiens. Ils sont pas apprivoisés. Ah, il fait piquer en effet. Ah, il fait piquer, je vais tout. Alors, c'est pas de la triche, c'est juste parce que je voudrais éviter certains soucis parce que. Voilà.
Parce que surtout quand t'installes des mods, tu as du stuff. T'as du stuff trop précieux, du coup c'est. Ça serait super rageant de le perdre. Alors. Non, pas les options. On a aussi le mode Damage Indicator. Bon, classique, je pointe à un animal. Et ça m'affiche ses points de vie. Et je crois qu'il y a un loup qui a littéralement défoncé un mouton. Wow, tu calmes ta joie et tu me laisses tranquille. Alors, je crois qu'il y avait des moutons, mais ils se sont fait déchiqueter par les loups. Effectivement, c'est des bêtes féroces et j'entends des zombies. Je crois qu'ils se sont fait dessous. On a quoi d'autre comme mode? Le mode Deconstruction Table. J'ai jamais vu ce mode dans des séries Minecraft, genre Frigel et Fluffy par exemple. Oui, je regarde Frigel. En fait, c'est un mode que je trouve est super pratique. Ça vous rajoute une table de craft, mais en fait, c'est l'inverse d'une table de craft. En gros, vous avez la crafting table qui vous permet de fabriquer des trucs et vous avez la deconstruction table qui vous permet de déconstruire des trucs. C'est logique. Dans le sens où par exemple vous avez supposons que vous avez une vieille pelle en bois qui vous sert plus, vous pouvez la déconstruire, récupérer les matériaux qui ont servi pour la fabriquer, genre du coup une planche de bois et deux bâtons. Le truc et un truc qui est super sympa, c'est que pour les outils, ça joue sur leur durabilité. Genre par exemple, plus un outil est usé et moins il redonnera d'éléments. Donc voilà. Et surtout, si on trouve des blocs très spéciaux, bah, ça va nous permettre de faire plein de trucs spéciaux. Bon, récupérer du Insta House pour faire apparaître des maisons, je vous apprends rien de ce côté-là. Le Lucky Block mode très célèbre. Croyez-moi, je me suis tapé des barres avec le Unlucky Block. Hein. Quand je m'ennuie, que je suis en créatif, je prends un Lucky Block de la redstone et paf, les villages se transforment en C-caché, littéralement. Il fallait voir une autre fois, j'ai fait popper un wither, un slime géant et plein de bonnes choses. Le mode monobloc qui rajoute des blocs, ça vous rajoute un peu de tout, des portes. D'ailleurs, quand j'ai essayé avec un mode Instant Massive Structure, que vous devez sûrement connaître, et ben ça faisait bugger certaines structures, j'arrive plus à parler, et ça allait ouais, j'ai ce qu'il fallait, et ça allait et ça leur faisait apparaître des portes. Je me suis dit, ok, je crois qu'il y a quelque chose de pas très logique. Voilà. On a le mode McCarthy Furniture qui est un mode de. J'ai failli dire un mode d'âme qui va vous permettre de meubler une petite maison. Donc, un petit objectif que je me ferai, c'est d'essayer de me créer une maison un peu technologique. T'as vu mon accent anglais? Il n'existe pas. Ah, j'ai pas pas mal de charbon, c'est pas mal. Attends, c'est quoi ça? C'est du sable. Je crois que c'était de l'argile. Voilà, on sort. Alors, on a le mode. Notez 9 items. Le mode The Infinite Adventure. Ça non plus, comme la Deconstruction Table, je l'ai pas vu dans beaucoup d'endroits, mais c'est un mode. Croyez-moi, si vous connaissez certaines légendes. Vous allez vous régaler. Ce mode, ça vous rajoute un boss, une pioche genre sur cheaté. Je me suis fait un temple comme ça une fois. La pioche est vraiment sur cheaté, hein, je vous jure. C'est la méga pickaxe et ça vous rajoute aussi des mobs un peu plus what the fuck, un peu plus what the fuck, hein, oui. De toute façon, je vous montrerai. Hop. Et The World Explorer, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Voilà, c'est un peu la liste de tous les modes. Si j'exclus Not Enough Item,
du coup, bah. Voilà. Perdu dans Minecraft en modé. Traduction du grand n'importe quoi. D'ailleurs, je vais manger parce que j'ai restauré la vie. Il faut que je restaure ma vie plutôt. Et je n'ai. Et il faut vraiment que je me fasse une table de craft parce que je me promène depuis 3 heures déjà et je n'ai toujours pas. Je n'ai toujours pas fait un seul truc qui pourrait me permettre de survivre, genre une épée. Genre mec, la survie c'est pour les noobs. Voilà. Ah bah quand je vous parlais du mode Infinite Adventure, bah ça c'est le fameux boss. Alors pour tout vous expliquer, en fait il se trouve sous le sol et il balance des boules de feu. Il s'attaque à tous les mobs aux alentours, mais je préfère pas m'attarder sur lui parce qu'il est un peu surpuissant et qu'il faudrait bien plus qu'une armure en diable s'enchanter pour le battre. Croyez-moi, c'est un calvaire. Ma vie en 2017. Déjà qu'elle était pas terrible en 2016. Non, je rigole. Ouais, allez, on va se faire ce qu'il faut. Parce que là, j'arrête pas de glander depuis tout à l'heure, donc on va vite se faire un lit. Voilà, l'oreiller et les draps. Un petit tir perso. Voilà, on a fait passer la nuit. Non, ça c'est du copper. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah déjà, ce qu'il faut, bâton. Hache, voilà. Ouais, je casse mon lit, je respecte rien. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de mode, vous pourrez me les mettre en commentaire. Ça pourrait m'inspirer. Je pourrais peut-être les rajouter à la série. Ça pourrait être sympa. Faisons le tour de l'arbre tant que le loup n'y est pas. C'est pas du tout ça, je pense. Je m'en contrefiche. En fait. Il y a beaucoup de gravier par ici. Je vais en récupérer un. Je vais garder pour faire un petit briquet. Hop, alors attendez. Attendez. Ah oui, c'est ça que ça me fait le mode Bodles. Ça me permet de rajouter des bibelots pour certains modes, genre le mode superhuman. Ouais, il y a plein de modes que je connais mais que je ne vais pas lancer tirer parce que déjà c'est ils sont assez lourds dans la majorité. Pourquoi est-ce que fait ketchup? Ouais, je vois le soleil. Tu sais, c'est surtout les paysages comme ça qui me font dire ok, il se passe quoi. Et ce serait intéressant de trouver du fer. Ici, il n'y a rien du tout, on peut se tirer. Un autre arbre. Il faut vraiment que je vais devoir commencer à exterminer la biodiversité de ce monde pour calmer les ardeurs de mon Nishtoma. Ah, je dis ça parce que j'ai juste deux baguettes de pain. D'ailleurs, il faut être. D'ailleurs, mon perso doit être plutôt costaud pour arriver à s'enfiler une baguette de pain quand même. Et ceci, le bruit. Ceci est un énorme, mais ceci est beaucoup plus intéressant. J'ai l'impression. Ah, il m'a l'air d'être en dessous. Coucou. Faut que je me tire à la flotte. Non mais j'ai regardé 105 fois, ça m'a fait flipper. Putain, pendant un moment j'étais en mode mercredi mercredi. Putain. Bah oui, tu peux plus me choper Michel. Capable de temps de cage. Vas-y, viens te battre. Il a essayé de venir dans l'eau. Pouf.
Ah oui, c'est baignade interdite. J'ai entendu un énorme, je creuse. Bonjour. C'est pour la livraison de pizza. J'ai l'impression qu'il s'est barré. Oh, j'ai flippé. Putain, la mauvaise fille, elle a failli prendre. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bref, on va se faire un bateau. Hop, 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 hop. Voilà, je conserve un peu de bois de côté. H. Voilà. Alors, ah oui, c'est vrai que c'est comme ça, regarde. Ouais, moi je suis toujours traumatisé par la nouvelle génération. Puff, puff, puff. Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Je vais essayer de me diriger un peu par là. Il y a du beau minerai. Mais il n'y a pas vraiment ce truc. Oh là là. Truc classique qui m'arrive tout le temps, c'est de finir au milieu d'un énorme océan et de nager et de naviguer pendant 3 heures avant de trouver la terre ferme. Bon bah là, ça peut durer 3 heures. Hop, à freine! Ripper le bateau. Bon bah voilà le premier truc mort dans cette histoire. Bon. Pas vraiment le premier, j'ai eu quelques exécutions d'animaux avant. Mais j'ai rien dit. Alors. Je vais devoir aussi exécuter d'autres arbres. Pas sûr, ça va prendre trop de temps. Oui, je suis un flemmard un peu. Non, je rigole. Bon candidat à la mort de la biodiversité. Je suis pas taré, et là j'ai entendu un truc. Nice. Ah, il y a de la canne à sucre. Ouais. Ah, c'est bon, le gelé? Oui, c'est bon. J'arrive pas à vous commenter en fait ce que je peux dire d'autre. Si ça va bientôt être la fin du let's play sur Pokémon Snap, ouais. La tristesse. Donc alors personnellement j'ai une petite idée de let's play en tête, mais j'ai pas franchement envie. Alors en fait j'hésite entre deux trucs. Je vais vous mettre un sondage, vous pourrez répondre. Non, je pense pas que je vais vous mettre de sondage, j'en sais rien. Le mec il planifie tout à l'avance puis il dit après non c'est nul. Bon bah c'est la dèche au niveau de la nourriture. Yep. C'est parti pour la sélection naturelle. Hein. Je sais plus si. En plus, j'ai étudié. C'est qui avait joué. Le principe de la. De la sélection naturelle. Bah, la sélection naturelle veut que ce soit moi qui survive. Bim.
Most one for you. Non, c'est juste un petit passage. Non. Qu'est-ce qu'on se marre? Aïe. Ouais, faudrait peut-être que je commence à aller chercher du fer éventuellement. Pas par là. Il y a beaucoup de champignons marrons, mais j'aimerais des champignons rouges. Ça promet d'être long donc voilà, je vais faire une ellipse le temps que je trouve quelque chose à tout de suite. Ah, enfin du fer et un bébé zombie que j'entends. C'est que j'étais pas très loin. On va faire des torches. Est-ce qu'on va commencer à rien voir? L'impression qu'il m'a capté en plus. Ah oui, quand même. Au revoir. J'entends en plus. Hop. On va être un étage plus bas. Ah, il doit être en bas, ouais. Par mesure de précaution, on va condamner le passage. Élargir le trou. Et se préparer. J'utilise tout ce qu'il y a de bois. Hop, 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 hop. Une épée. Le journalier ici. Allez vous voir dans les crates s'il y a pas quelque chose qui pourrait m'aider. Oui, il y en a beaucoup. Voilà, vous pouvez voir un peu tous les blocs qu'il y a. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de machins. Ouais, c'est de la redoute, hein, vous en faites pas. J'ai pas grand chose qui pourrait m'aider en fait. Va falloir que je fasse le rentour, j'ai l'impression. En plus, oui, calme ta joueur au nez, j'arrive. Hein, attendez, usage. Là, je peux faire un cimetière, je peux faire une rapière, qu'est-ce qu'il est hein, le corps du longbow, blind, pioche, ça c'est normal. Il est ça, c'est des crafts. Voilà, ça c'est des trucs pas plus génial. Il y a beaucoup de crafts avec les bâtons, j'ai l'impression. Ah, une massue. Une hache de guerre. Un bâton. On pourrait tenter de se faire une massue, ça pourrait être intéressant. On a un couteau de cuisine aussi.
même pas capté. Alors, on va aller directement voir la fin. On peut faire des petites tags à l'Assassin's Creed. La référence. Modèle de recette. Pas de modèle de recette. Et ça, ça sert à faire des stone arrows, des trucs, des machins. Vous savez quoi? On va se faire une belle massue. Voilà. Et je vais vous montrer tout l'intérêt du mode Battle Gear. Et d'ailleurs, je vais me rajouter. Attends, c'est... C'est comme ça que ça se fabrique. Oui. Voilà, et là, et quand je passe en F5, on voit le bouclier dans mon dos, c'est pas stylé ça. Yep. Et voilà. En plus, ça fait gagner de la place. C'est pas merveilleux ce qu'on peut faire avec les mods. Bonjour. Ah, j'ai l'impression qu'ils sont plus bas en fait. Faut que je fasse très attention parce que j'ai surtout j'ai pas d'armure. Y'a rien par là. J'entends plus les petits zombies. Ça va pas mais je suis en train de flipper là. Ouais, je suis pas très... Je suis pas le mec qui... Je suis pas le je suis pas un survivor de Minecraft moi. Je suis plus... Je suis plus une petite fleur si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Peut-être au-dessus de l'eau. Ah. Torche. C'est pas grave. Quand il y en a plus, il y en a encore. Hop, 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 hop. Voilà. J'économise. Hop. Je redescends parce qu'il y a des minerais très intéressants. Ça m'a l'air d'être un bout filon. Et ma pioche va lâcher celle-là. J'ai entendu comme s'il y avait un zombie qui marchait. Je vous jure. Bon bah ça y est, elle a rendu l'âme. Hop. Voilà. Deux fois plus efficace et on peut minerer certains minerais. Pas ça, ça c'est trop résistant. Le copper, c'est du cuivre. Le silver, ça l'est encore plus. Le red crystal, est-ce qu'on peut le miner? Oh oui. Je vous lis pas la description. Il y en a un qui était tombé. L'aluminium, oui, je sais c'est une mauvaise idée de faire ça. C'est pourtant l'une des règles de base de Minecraft, il me semble la règle numéro 2. On ne mine jamais au-dessus de soi. Après la règle numéro 1, ne jamais miner sous ses pieds. Commence à crever la dalle.
expression bien de chez moi. Et de moi d'ailleurs. Y a pas full ça de monstres en fait, j'ai l'impression. Y a même personne. Je vais casser ça. Voilà. Ah, zut. M'en douter. Oh mais non, pète pas mes torches, s'il te plaît, madame. Bon, c'est safe par ici, on y va. Non, attends, avant. Retour dans nos fortifications. Voilà, hop. Sort de faire chauffer tout ça. Attends, le style, je peux pas le miner. Ah, si. Bon, eh bien, je crois que je vais arrêter l'épisode ici. Ça fait déjà longtemps que je tourne. Ça doit déjà être une demi-heure de vidéo, voire plus. Donc, si l'épisode et l'idée de série vous a plu, vous mettez un pouce bleu, vous lâchez un commentaire, partagez la vidéo et vous vous abonnez si c'est pas encore fait. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bye 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 bye, ciao.